Pere mamai te pohe tapadahia, pere huai te mea o papa. Ai, edidi. Bonjour Raphaël, est-ce que tu peux nous raconter ce que tes ancêtres t'ont appris sur l'histoire des hommes, comment ils ont pu arriver sur Terre? Non, voilà. Quand ils m'ont parlé, ils sont parlé un peu de la création de Dieu. Il a imaginé, c'est pour ses enfants. Comme avant, tout le monde était dans le monde invisible avec Dieu. Il a pensé de faire quelque chose pour ses enfants. C'est pas là qu'il a pensé de créer le ciel, la terre et l'océan. Il a imaginé tout ça avec amour. Quand c'est fini de penser, d'imaginer tout ça, alors c'est là que Dieu l'avait dit, ok. Il a pris un homme et une femme. Après il a dit à la femme, ça sort de mon côté gauche, il a dit à l'homme, ça c'est dans mon côté droit. À Dieu, il a parlé, voilà, je vous donne le nom de Tiki. D'accord. Le nom de Tiki. Tiki Tane, Tiki Veni. C'est pour ça que ce nom on a mis Tiki, parce que quand il vient sur terre, quoi que ce soit, il sort tout nu, il n'y a pas de neige, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est pour ça que Dieu il a mis ce nom-là Tiki, c'est pour faire comprendre à nous, à ses enfants, ce mot-là, pour respecter ce nom-là. C'est pour ça que Dieu il a parlé à Tiki Tane, Tiki Veni, je vous donne votre nom. Après, quand il a fini de me donner ce nom-là, il a dit à Tiki Tane, voilà, je veux donner un gâteau pour toi, je te donne une clé. Cette clé, je me mettre en toi. Ce n'est pas de dire que je me mettre entre tes mains, c'est me mettre en toi. Ah, une clé spirituelle alors. Une clé spirituelle d'énergie. Il a dit, cette clé, c'est la clé du paradis, et de la voix et du mana. D'accord. Voilà, de parole, de la parole de Tumana. C'est ça le vrai clé. Il a dit aussi à la femme, voilà, je te donne une porte. Cette porte, il faut prendre soin de cette porte, il va aimer cette porte, il faut prendre soin, ne casse pas, ne détruis pas. Je te donne en toi. Je ne peux pas tourner entre tes mains, je veux tourner en toi. Après, Dieu il a dit à la femme, tu as vu cette porte? C'est la porte du paradis. C'est la vraie porte du paradis. La porte de la parole du mana. Prends bien soin de cette porte-là et de cette clé. Là, tout le monde, tous les deux, ils ont dit OK. Après, l'homme, Dieu, il a dit voilà, je vais mettre vous aller sur terre. La terre, c'était tout néon. Ils sont pas encore la lumière. Quand l'homme et la femme, ils sont venus devant. Après, arrivé devant, l'homme il a retourné en arrière. Il a dit, Père, qu'est-ce que je vais faire avec cette clé? Bien, il a dit, Père, le Père, il a dit, viens un peu. Reviens un peu. Viens un peu. Et la femme qui appelle aussi, Père, qu'est-ce que je vais faire avec cette porte? Elle a dit, viens un peu vous de là. Après, l'homme et la femme, ils sont venus à côté. Dieu il avait dit à l'homme, tu prends la femme, prends en toi, serré dans tes bras. Après l'homme il a pris la femme, il a serré dans ses bras. Après Dieu il a dit, tu as vu cette porte-là, il y a une serrure là à côté de toi, le petit trou de serrure. Tu prends ta clé, tu piques dedans, après tu tournes. Alors, l'homme il a pris la clé. Il a mis dans le trou de serrure, il a tourné. Quand il a tourné, la lumière s'était venue. Le soleil s'était arrivé, l'arc-en-ciel, tout ça. Toute la terre s'est allumée. Tout illuminée. Illuminée. Même la lune, le soleil, mais les étoiles s'étaient arrivées en même temps. Après, quand c'est fini, après, l'homme il a dit à la femme, eh bien, c'est bon l'amour de Dieu. L'homme et la femme a dit oui, c'est un prêt pour l'amour de Dieu. C'est pour ça que c'était arrivé tout ça. Ah oui, c'était le cadeau, c'était pas une pomme alors. C'est pas une pomme. Hein.
Ça, c'est libré. Ça veut dire cette clé, cette porte. Nous, on m'a dit, c'est le sexe. C'est l'amour sur terre. C'est le vrai amour. Le vrai amour. Le vrai amour sur terre. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui que nous prenons. On apprend mal, mais on prend avec amour tout ça. Après, quand c'était arrivé, après les enfants qui sont là à côté de Dieu, tout le monde, ils sont venus par cette porte. Ah, ok. C'est comme ça qu'ils ont peuplé la terre, finalement. Voilà. Tout le monde, ils sont venus par cette porte. D'accord. Quand ils sont arrivés devant cette porte, l'homme, Dieu, il a dit à l'homme et la femme, il faut respecter l'amour, la paix. Je vous dis tout ça. Alors les enfants, ils sont aussi à côté. Il a dit à ses enfants, à tous ses enfants, il a dit, multipliez-vous. Fréquentez-vous, multipliez-vous. C'est pour ça que les enfants, quand ils sont venus, elle a dit, Dieu, elle a dit, garde bien le secret de votre porte et de votre clé. Ne détruis pas, ne faites pas n'importe quoi, prends avec amour. D'accord. Voilà. Ils ont respecté tout cela. Ils ont respecté tout cela. C'est pour ça que les enfants, ils sont venus après, ils sont venus dans la lumière. Ils ont vu que la terre était immense. Après, chacun prend son chemin, ils vont à l'Amérique, je ne sais pas, n'importe où. Ben, tout en respectant voilà. Ils ont gardé cet amour que Dieu l'a dit. Parce que tout le monde, avant, tout le monde qui sont venus, ils ont respecté la nature, ils ont respecté les animaux. C'était un paradis. Ben, voilà. Quand les gens parlent, ouais, ces enfants, quand ils parlent des animaux, les animaux, ils connaissent, ils essaient. Et ce sont tous des enfants de Dieu. Ils sont tous les animaux aussi, ce sont des enfants de comme, Dieu. Comme une... C'est l'énergie de Dieu. Ils se reconnaissaient alors. Voilà. Tout le connaît. Il n'y a pas aucun négatif ni positif avant. C'est tout un seul amour. Ah, une seule famille alors. Voilà. C'est une famille, amour, c'était immense. Mais ils ont construit quelque chose dans ce temps-là. Dans le premier cycle jusqu'au quatrième. Il n'y avait pas d'égo, il n'y avait pas de pensée de destruction ou quoi, voilà, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et la nature était en harmonie, elle n'était pas sauvage. C'est une âme magnifique. Parce que quand tu vois qu'il connaît ça, Pablo, il parle avec les gens, il respecte les gens. Il n'y a pas aucune maladie. Quand tu marches dans la nature d'abord, il parle avec eux. Quand tu vois à l'agriculture des animaux, il parle avec les animaux. C'est ça l'histoire de ces deux Tikitanites qui sont venus, dont les enfants fait venir ses enfants dans le monde. D'accord. C'est pour ça que les enfants ils sont venus après, ils ont pris le respect que Dieu avait donné. Ils ont parlé du respect, l'amour, de la paix, jusqu'à le dernier jour que les gens ils sont venus un peu zinzin. Ils ont oublié tout ce qu'on leur avait dit. Merci beaucoup, Raphaël. Alors,